Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le constater, nous sommes en plein confinement et malheureusement j'ai dû mettre de côté les explorations puisque là bien sûr ce n'est pas possible. Donc je vais en profiter pour aborder un petit sujet, c'est le paranormal. On m'a souvent posé la question de savoir pourquoi je ne faisais pas de paranormal sur ma chaîne. Bien tout simplement puisque c'est une chaîne qui est basée on va dire principalement sur l'exploration et sur la découverte et présentation de patrimoine. Ça ne veut pas dire que le paranormal ne m'intéresse pas. Bon, c'est quelque chose qui, bon, je me suis parfois posé la question. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, hein, bien sûr. Cependant, bon, je ne me suis pas axé là-dessus. Par contre, il y a ce que vous voyez dans les vidéos et il y a ce qu'on ne vous montre pas, puisque certains passages sont supprimés au montage. Et effectivement, nous avons eu plusieurs phénomènes, je ne peux pas dire spécifiquement paranormaux, mais des phénomènes bizarres, inexpliqués à ce jour, que nous avons vécu lors des explorations, en particulier dans les bunkers. Je vais vous raconter deux anecdotes qui se sont passées. C'est un bunker que j'ai fait trois fois. Je l'ai fait une fois seul, une fois avec Binôme et une fois avec Priscilla et Loana. Donc la fois avec Priscilla et Loana, malheureusement, je n'ai pas filmé. Et c'est là que se sont produits certains phénomènes, donc je vais vous raconter ici. Alors lors de l'exploration de ce bunker, si vous regardez la vidéo, il y a un passage avec un très long tunnel. Et donc cette fois-ci, lorsque j'étais avec Priscilla et Loana, Loana était derrière moi et Priscilla était devant moi. Donc, lors de la traversée de ce tunnel, il y a un moment où j'ai entendu de la musique. C'était très visé, c'était une musique typique des années 60. Et j'étais persuadé que c'était le portable Priscilla qui s'était enclenché en mode lecteur. Et donc ça ne m'a pas spécifiquement interpellé, donc on est arrivé jusqu'au bout du tunnel. Au bout du tunnel se trouve une échelle donnant sur une tourelle. Et ayant déjà fait ce bunker, je l'avais fait simplement pour le montrer à Loana et à Priscilla. Donc Loana n'a pas voulu monter, puisqu'elle a le vertige, et Priscilla a décidé de monter dans cette tourelle. Donc nous étions restés en bas, et par économie de batterie, j'ai décidé d'éteindre les lampes, donc la mienne et celle de Loana. Donc nous sommes retrouvés dans le noir, et Priscilla montait tranquillement vers la tourelle. Et Priscilla étant à mi-chemin, dans le noir, j'ai entendu deux voix masculines assez proches de moi. Donc Loana n'a rien entendu, moi je les ai entendus. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, il y a des visiteurs. Plusieurs fois nous sommes tombés sur des explorateurs comme nous dans des bunkers, et donc je rallume ma lampe et je ne vois personne, sachant que le tunnel fait on va dire une bonne vingtaine de mètres, voire un peu plus, donc de long, mais sur du linéaire. Donc instantanément j'ai pris ma lampe et j'ai éclairé vers le fond et je n'ai vu personne, vraiment jusqu'au bout du tunnel. Donc là j'ai quand même balisé et j'ai rappelé Priscilla qui se trouvait donc à l'étage au niveau de la tourelle, et j'ai demandé de descendre immédiatement. Donc, me connaissant, elle n'a pas cherché à comprendre, elle est descendue, m'a demandé ce qui se passait. À ce moment-là, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, quoi. Et on a décidé de rebrousser chemin afin de rencontrer ces explorateurs, enfin, ces présumés explorateurs, pour s'assurer que ce soit bien des personnes physiques. Et sur le trajet, j'ai expliqué à Priscilla que j'avais entendu son portable en mode musique, et elle m'a dit, mais c'était pas toi. Je fais, comment ça? Et bien, elle me dit, bah, j'ai entendu de la musique également, donc le même type de musique, et elle pensait, elle, que ça venait de mon portable. Donc sachant que apparemment les deux portables étaient éteints. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, à 15 mètres, plus de 15 mètres sous terre, on n'a pas de réseau, donc ça pouvait même pas être la radio ou quoi que ce soit. Donc là, on commence vraiment à avoir une petite panique. On essaie de garder notre sang-froid et on se dirige encore plus rapidement vers la sortie. On a réussi à sortir complètement, et donc là où on se trouvait, c'est-à-dire au col de la Bonnette, c'est à près de 3000 mètres d'altitude. Donc c'est pas un endroit où on peut trouver des randonneurs comme ça, basiquement. Donc il y a forcément un véhicule, que ce soit voiture, moto ou même vélo, puisqu'il y a énormément de cyclistes. Donc on a vraiment regardé sur les alentours, et aucun véhicule. Donc ni vélo, ni moto, ni voiture, quoi que ce soit. Aucun randonneur à l'horizon. Donc bon, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, ben, ils sont peut-être encore à l'intérieur. Et du coup, on a exploré le fort complètement armé de courage et avec les lampes. On n'a trouvé personne. Et on se regarde, on s'interroge, et là on se demande, ben,
qui a entendu, moi j'ai entendu, Précis a entendu, Loana par contre n'a rien entendu du tout, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau des voix. Là on commence à relativiser, puisque moi dans mon principe, tout, une explication pratiquement à tout, à ce jour c'est toujours inexpliqué, donc si jamais c'est déjà arrivé à quelqu'un, justement d'entendre des voix, mais là c'était vraiment des voix très claires, vraiment très claires, hein. C'était pas quelque chose où j'ai entendu murmurer ou quoi, c'était vraiment comme là je vous parle, j'ai entendu ça vraiment... on va dire à 20-30 cm de moi. Est-ce paranormal ou est-ce pas paranormal ou est-ce peut-être une hallucination collective? Donc Christina n'a pas entendu les voix mais elle a entendu la musique. Donc à ce jour ça reste inexpliqué. Deuxième anecdote, donc celle-ci par contre j'ai eu la chance de la filmer. Donc là, c'était une exploration on va dire sur un double bunker. C'est-à-dire qu'elle se fait en deux parties. D'un côté de la route il y a la partie casernement et de l'autre côté la partie défensive où se trouvaient les canons, les mitrailleuses. Donc dans le premier bâtiment, bon ça se passe super bien. Une fois terminé, l'exploration terminée, nous sommes rendus dans le deuxième bâtiment. Et donc ça a débuté sur une exploration normale, sauf que au milieu, donc vers la fin de le fond du bunker, j'ai vu le visage de Loana se crisper. Et là, bon, tout de suite, je lui demande, qu'est-ce qui se passe, tu as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Du bruit? Non, ça va. J'ai senti la peur dans vos yeux là. Non, ça va, c'est bizarre. Ah, de quoi? J'ai senti une petite voix vers la grande pièce. Elle était un peu réticente. Je pense qu'elle avait peur de me dire ce qui se passait, mais à l'intérieur, je pense qu'elle attendait qu'on soit à l'extérieur pour m'en parler. Et bon, j'ai quand même insisté, puis là, elle me dit j'ai entendu des chuchotements. Donc là, on s'est regardé avec Priscilla, puisque nous, on avait rien entendu, et puis on s'est dit c'est peut-être la peur qui l'a fait pantailler. Ça peut être des fois le quand on rentre plein de peur ou quoi, le moindre bruit, il peut y avoir une déformation auditive, voilà. Et on continue l'exploration sans s'attarder là-dessus, quoi. Puis on se dit ça va lui passer. Donc on finit l'exploration tranquillement, on sort, pas de soucis, voilà, jusqu'à là c'est nickel. On termine, on clôture la vidéo. Et à ce moment-là, on s'arrête un peu plus loin pour manger, donc il devait être aux alentours des 23h. Et puis nous rentrons. Et donc bien sûr, comme après chaque fin de vidéo, je rentre et puis je me pose sur mon petit PC pour faire le montage. Et à ce moment-là, arrivé sur la partie où Loana a eu peur, j'ai les poils qui se sont hérissés, puisque là, bizarrement, j'ai entendu des voix, et j'ai entendu plusieurs voix. Alors, j'ai instantanément travaillé le son, c'est-à-dire que j'ai amplifié les sons, je suis toujours sur une écoute au casque, et là effectivement on entend une série vraiment de plusieurs voix masculines, féminines. Je sais pas, c'est là vraiment bon état, ça a l'air un peu plus soigné que le reste. Alors soit une caisse pour les grader, soit une petite chapelle, je sais pas. Il est pas très grand celui-là. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Du bruit? Non, moi ça va. J'ai senti la peur dans vos yeux là. Moi non, ça va. C'est bizarre. Et là, on se demande ce qui se passe. Je me dis, c'est peut-être les échos. On était trois personnes à parler. Peut-être avec la réverbération, etc. Étant donné que dedans, c'est des cavités, il y a une certaine résonance. Ça peut être le retour de voix. Et donc on est retourné trois fois dans la semaine refaire l'expérience en fait. On s'est mis spécifiquement à cet endroit là. On a parlé, donc j'ai filmé basiquement, on discutait à l'intérieur. Et sur les trois fois au montage, rien, aucun écho, aucune résonance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment, si pour vous ce sont bien des voix ou si vous avez une explication, si quelque chose de similaire vous est déjà arrivé. Voilà, donc sur ce, cette vidéo se termine. J'espère que ces histoires vous auront plu. J'espère avoir vos retours dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux afin que la chaîne puisse se faire connaître un peu plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchou tchou.